Salut tout le monde! Bon vlogtube jour 14! Ça fait déjà 2 semaines que je fais le vlogtube à tous les jours. Pas peu fière. Aujourd'hui, je commence à vlogger un peu plus tard. Mais en fait, un peu plus tard. Je vlog tout à cette heure-là. Il est 1h10. Dans le fond, Sam vient de partir pour toute la fin de semaine. Fait que je suis célibataire en fin de semaine. Il est parti à un chalet, là, comme je vous disais, avec ses amis. C'est ça, dans le fond, il vient juste de partir, ça fait 5 minutes. Ce matin, on a pris une belle marche ensemble, puis on s'est fait un bon petit déjeuner. Là, j'ai fait des burritos matin, comme je vous ai montré. Puis c'est ça, là, c'est le début de ma fin de semaine en solo. Mais c'est ça, ça va être quand même une belle petite fin de semaine. Là. Aujourd'hui, ça risque d'être plus une journée me-time, tranquille. Genre, je vais prendre un bain tantôt, puis je vais me faire de la bonne bouffe, puis c'est ça. Puis demain, ben ma mère s'en vient me voir, fait que ça va être le fun. Elle va passer la journée ici, elle va venir dîner, puis passer l'après-midi. Puis dimanche, ben ça va être vraiment tranquille, là. Fait que c'est ça, ça va être une petite fin de semaine. Ça va être une petite fin de semaine, puis Sam va revenir dimanche. Je sais pas trop à quelle heure. Fait que c'est ça, petite fin de semaine solo. Ça risque d'être dans mes dernières. En tout cas, avant un méchant bout, parce que là, après ça, c'est ça, Sam, il... T'sais, c'était comme le moment où jamais là, pour qu'il parte, là, parce qu'après ça, ça va devenir de plus en plus risqué. Surtout qu'il est genre à 4 heures de route d'ici, 4 heures et demie. Fait que j'espère que je perdrai pas mes oies soir. Ça devrait pas. Mais il était comme là, appelle-moi là, si jamais il y a quoi que ce soit. Je dis, ben oui, tout va être correct là. Tu sais, je vois pas pourquoi que ce serait pas correct. Mais quand même. Fait que c'est ça, petite journée là. Je veux faire un petit peu de ménage aujourd'hui. Puis juste chiller, tranquille. Ça va faire du bien. Des fois, c'est comme pas pareil chiller quand t'es tout seul dans ta maison puis chiller quand il y a quelqu'un d'autre. Fait que c'est une journée mère et enfant aujourd'hui. J'étais avec mon enfant dans mon ventre et mon enfant chien. Donc c'est ça, je vais vous amener avec moi dans ma petite journée. Et un peu plus tard, j'ai chillé sur l'ordi. J'ai passé une petite commande Amazon que je vais pouvoir vous montrer quand je vais la recevoir. Puis là, j'avais le goût de laver les fenêtres parce que c'est genre l'été dehors. Fait que je me suis dit, quel meilleur moment! C'est vraiment difficile de laver les fenêtres ici, là, je vous montrerai tantôt. Là, mais c'est toutes des fenêtres à manivelle. Je pense qu'on appelle ça des fenêtres à battant, en tout cas. Sauf qu'ils sont vraiment minces. Fait que, comme à mon ancien appartement, quand on ouvrait les fenêtres, j'étais capable de passer, tu sais, dans l'ouverture sur le côté, là. En tout cas, c'est dur à expliquer. Je vous l'expliquerai mieux tantôt. Mais c'est ça. Ici, c'est bien compliqué. Fait qu'en tout cas, je vais faire de mon mieux. Je vais au moins laver l'intérieur, la porte patio. Puis, c'est ça. Je sais pas si je vais faire en haut. Ça va dépendre de mon énergie. Mais je me suis préparée ma grosse chaudière. Moi, dans le fond, je lave mes fenêtres avec de l'eau et du savon à vaisselle. C'est ça que je trouve qui est le plus efficace. On dirait à chaque fois que j'essaye de laver avec du Windex ou d'autres produits pour les vitres, ça laisse tout le temps des stries, c'est jamais beau. Fait qu'avec de l'eau puis du savon à vaisselle, moi c'est le Dawn, je trouve que ça va vraiment mieux. Puis j'utilise un squeegee. Celui-là, c'est vraiment un squeegee extra cheap là, que j'ai pris au Dollarama. Fait qu'il vient comme avec ce petit manche-là, mais je l'ai accroché après mon manche à balai. Fait que comme ça, ça me donne plus de longueur. Puis, je vais aussi m'amener une petite guenille pour les bords de fenêtre, puis de l'essuie-tout si jamais il y a des petites coulisses, parce que c'est ça, des fois avec le squeegee, tu sais, il y a comme des petites coulisses, fait que je les essuie. Puis c'est ça, ça va être le lavage des fenêtres parce qu'elles sont vraiment sales, pour vrai, ça m'écœure. Avant que l'hiver arrive officiellement, je vais en profiter pour les nettoyer pendant que je suis pas trop fatiguée, puis j'ai de l'énergie, puis j'ai pas trop mal partout. Ça va quand même pas se pire. Fait que...
Ouais. Je viens, comme on peut le constater par ma face, je viens de me réveiller d'une sieste. Oh my god! Genre, j'ai terminé le rez-de-chaussée, puis je me suis mis là à être fatiguée, là, puis à pas filer. Fait que je me suis comme étendue sur le divan. Oh my god, excusez. Mon sel va mourir, je vais le brancher pendant que je vous parle. Ouais, fait que c'est ça, je me suis comme étendue sur le divan, puis là, ça filait comme so-so. Fait que je me suis dit, genre, je vais aller dans mon lit, tu sais. Je me suis mis un coton watté, je suis allée dans mon lit, puis je me suis endormie. Ça va un peu mieux, j'ai faim, là, ça doit être ça. J'ai pas vraiment. J'ai pas dîné ben ben. Je mangeais une petite pizza froide, pizza aux tomates. Fait que je pense que je vais manger déjà parce que même si. Bon, il est 5h, c'est correct. Mais ouais, je me suis comme mis à pas filer, là, ça va vraiment mieux. Mais je pense que c'était quand même intense. Tu sais, c'est intense laver les fenêtres, là, c'est comme un méchant workout. J'avais chaud, j'étais comme. Ouais. Fait que là, je suis comme gelée, on dirait que j'ai comme enlevé mon chandail de tantôt, mais j'ai l'impression que mon corps est comme tout, comme il a pris l'humidité. En tout cas, fait que c'est ça, ça a fait quand même du bien là, de faire une petite sieste là, pour vrai, là, parce que hier, oh my god. Ouais, c'est ça, hier on s'est couché quand même tard, on s'est couché vers 10h30, parce que Sam il voulait terminer ses affaires là, pour son pool là, dans la fin de semaine. Puis c'est ça, après ça on regarde tout le temps la télé, puis on dirait que genre à l'heure qu'on s'est couché, mon cycle de sommeil était comme passé. Fait qu'en tout cas ça a été long m'endormir, je me suis endormie comme passé minuit. Fait que puis ce matin à 7h30 j'étais réveillée. Fait que mettons que la nuit a été courte. Sans compter mes innombrables visites à la toilette. Ça n'a pas de bon sens, là, genre. Hier, là, pour vrai, aux 5 minutes, j'allais aux toilettes. C'était vraiment gossant. Fait que c'est ça. Mettons que ce soir, je me coucherai pas tard, puis je vais en profiter pendant que j'ai le lit à moi toute seule pour dormir en étoile avec 120 000 coussins. Puis me coucher, me lever tard demain. Ça va être le fun. Fait que ce soir. Il reste des petites bouchées là, des petits hors-d'œuvre qu'on avait acheté quand mon ami est venu. Fait que je pense que ça va être ça mon souper. J'aime faire des petites bouchées. Ça va être bien relax. Je vais manger ça en écoutant la télé. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais regarder. Mais j'ai peut-être des îles de l'amour que j'ai pas fini. Fait qu'en tout cas, je vais pas cuire ça. Puis je vais manger bien relax devant la télé. Puis pour vrai, je fais plus rien. Là. Si j'étais pas sûre si je faisais les fenêtres en haut aujourd'hui, mais c'est non. Je ne ferai pas aujourd'hui. Puis demain, dans le fond, demain matin, je vais faire les deux salles de bain. Là. Pour aujourd'hui, c'est terminé le ménage. Mon corps suit plus. Je pense que c'était un message assez clair de mon corps qui me disait genre là, la grande, t'es enceinte de 33 semaines. Faire des squats à tour de bras puis laver toutes les fenêtres de ta maison, c'est non. Fait que c'est ça. Ben oui, les fenêtres du rez-de-chaussée sont étincelantes. Fait que c'est déjà ça. Fait que bref, je vais partir mon four, je vais partir mes petits hors-d'œuvre, puis je vais vous redonner un petit check-in tantôt. Salut! Il est rendu 8h. J'ai écouté 3 épisodes de The Circle. C'est vraiment une série genre guilty pleasure, là. Genre plaisir coupable. J'aime vraiment ça, regarder ça. Fait que j'étais bien contente de voir qu'il y avait une saison 3 qui était sortie sur Netflix parce que c'est ça, c'est pas une série que je regarde avec Sam. Puis ça faisait vraiment un bout que j'avais pas ouvert Netflix, honnêtement. D'habitude, je coupe mon abonnement, mais en tout cas, j'avais comme pas coupé mon abonnement, fait que je me suis dit, tant qu'à faire, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a sur Netflix. Puis j'ai vu qu'il y avait ça. Fait que j'étais bien contente. Ça va être comme ma petite série que je vais binge-watcher pendant la fin de semaine. Puis là, je me suis démaquillée. Je m'apprêtais à aller prendre un bain, relaxer. Il est 8h. Je vais peut-être prendre
Moi, je reste pas même longtemps dans mon bain. 20 minutes d'habitude, j'en ai vraiment assez. Mais c'est ça, je vais me prendre un bain relaxé. Je vais me faire un petit masque. Fait que je vais faire ce masque-là de Cocooning Love. C'est le masque rose. Donc, régénère et adoucit, qui vient de la boutique Bougie Harmonie. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai toujours mon code promo CARO15. Puis, dans le fond, c'est un masque en poudre, comme ça, à l'argile rose. Fait que, dans le fond, faut comme... Moi, je le mets dans le couvercle. J'en mets un peu dedans. J'en ai peut-être mis beaucoup. J'en mets un peu dans le couvercle. Puis, il faut comme rajouter un peu d'eau. Puis, ça fait une pâte. Fait que, j'ai toujours mon petit pinceau à masque, là, qui est... Oups, my God, je suis tout en train de me renverser. Qui est juste un pinceau à fond de teint que j'utilise pour des masques. Fait que, je vais mettre un peu d'eau. Je vais mélanger. Mais c'est ça, je suis en train de passer l'aspirateur robot, grosse tâche. Comme ça, demain, ça va être propre le plancher. Je vais pouvoir passer la mop en me levant. Puis, te bien coucher. On dirait que quand je suis toute seule le jour, c'est correct, tu sais, mais être toute seule pour aller dormir, c'est tout le temps bizarre. C'est tout le temps poche, on dirait. Ouais, mais bon, c'est la vie. Bientôt, je ne serai plus seule jamais la nuit, même si ça n'est pas là parce que je vais avoir mon petit bébé. Mais non, mais tu sais, je peux pas me plaindre, là. C'est pas comme si ça m'y partait tout le temps. Ça fait vraiment longtemps qu'il n'est pas parti puis qu'il a dormi ailleurs. Ben, ça fait longtemps. Ça fait pas si longtemps que ça, mais dans le sens, tu sais, il part d'habitude une nuit puis il est de retour après. Fait que comme une fin de semaine demain, ça fait vraiment longtemps que c'est pas arrivé. Mais bon, c'est tout le temps bizarre, on dirait. Comme, c'est ça, me coucher toute seule, je trippe pas. Mais bon, c'est la vie. Fait que je vais sûrement genre prendre mon bain tranquille en écoutant d'autres épisodes de The Circle. Puis après ça, je vais aller me coucher. Parce que puis j'aurai pas de difficulté à m'endormir, j'ai dormi cet après-midi. Puis c'est vraiment rare que je dors. Dans le jour, là, pour vrai, je suis vraiment pas une siesteuse, moi. Tu sais, il y a plein de monde qui sont comme « Ah oui, fais des siestes et profite-en. » Mon chum, il doutait à l'heure, « Va faire une sieste, va faire une sieste. » Je fais pas de sieste, moi, dans la vie. Fait que c'est ça, regardez ce que ça donne. Ça fait comme un petit masque, là. Puis plus qu'on met de poudre, dans le fond, ben en fait, moins qu'on met d'eau, plus que c'est épais. Puis plus qu'on met d'eau, plus que c'est liquide. En tout cas... Mais c'est ça, c'est un masque à l'argile, fait qu'il faut pas le laisser trop longtemps, ça dit 5 minutes, parce que sinon ça peut vraiment dérassécher la peau puis comme faire plus de boutons. Moi, c'est vraiment pas ça que je veux, c'est juste, c'est ça, pour comme adoucir ma peau puis ça fait du bien une fois de temps en temps se faire un masque. On dirait, avant je prenais plus le temps de m'en faire, je prends vraiment moins le temps, mais j'aime ça. Petit moment me time. Fait que, ben c'est ça. Moi, je vais faire couler mon bain après. Je vais mettre les mêmes trucs que je vous ai montré déjà. Donc, mon lait de bain, comme ça, de Tenlin, qui vient aussi de chez Bougie Harmonie, à l'hibiscus et lavande. Puis, mon bain moussant. Il y a comme le reflet de mon ring light. Bain moussant et, en tout cas, cerisier d'orchidée. Je pense que c'est plus fleur d'orchidée ou... Orchidée, cerise, en tout cas, je sais pas. Ça sent vraiment bon, ça sent pas trop la cerise. C'est comme un... C'est ça, c'est un beau petit mélange. Fait que je vais me faire plier mon bain, je vais mettre ça dedans. Puis je vais relaxer. Donc moi, avec ma belle face rouge, rose mauve. Mauve, c'est comme un genre de... Un vieux rose. Ouais. J'espère que vous avez aimé mon petit vlog tranquille d'aujourd'hui. Mon petit vlog, ben en fait c'était pas si tranquille que ça, j'ai quand même levé les fenêtres. Mais mon petit vlog solo, ouais, je suis belle. J'espère que vous avez aimé ça, puis n'hésitez pas à mettre un thumbs up, ça m'encourage toujours à continuer le vlogtobre. On est presque à la moitié déjà, donc c'est vraiment fou. On dirait
Je m'imaginais que ce serait un défi incroyable, mais finalement, ça se passe assez bien. Par contre, si vous avez encore des idées de choses que vous aimeriez que j'aborde dans le vlogtobre que j'ai pas abordé, ben, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Puis, à vous abonner si jamais vous êtes nouveau. Puis, on va se revoir demain pour un prochain vlog. Bye tout le monde!